mettre du but, puis y attaquer par Le Havre à la corde. Le Havre Clifon est meilleur, qui va s'imposer. Le Havre qui s'impose avec Christophe Lemaire devant Puissé. Vestralia, Béchamp, Calvados Blue. Avenir certain qui arrive à 100 à l'heure en dehors. Les 5 coulisses sont sur la même ligne alors qu'on est à 100 mètres du poteau. Et c'est le numéro 1, Avenir certain, qui va remporter ce médium devant le numéro 3, il me semble, le 3. Alors que Suédois tente maintenant de réaccélérer, Suédois qui vient avec le numéro 5, The Right Man et Finsbury Square qui est toujours côté corde. The Right Man, Suédois de plus en plus fort à la corde. Suédois numéro 3 qui à la fin vient s'imposer. Queen Bee qui l'annonce en suit maintenant et lancé à son extérieur par Grégory Benoît qui vient maintenant de plus en plus fort. Attention également à la Calisi qui refait un petit peu de terrain. Queen Bee de plus en plus fort à l'extérieur qui prend l'avantage sur Calypso Beat avec en troisième position à la corde numéro 2, Sivolière. Queen Bee qui a le meilleur devant Calypso Beat qui est en deuxième position. Queen Bee qui s'impose. Avec Auvray, le numéro 4 qui maintenant est lancé en pleine piste par Grégory Benoît. Auvray de plus en plus fort. Vent de force qui se défend bien à 150 mètres du but. Doumaran également. Et Pino qui à son tour est lancé maintenant complètement à l'extérieur. Auvray le 4 qui a pris l'avantage sur Vent de force avec Pino qui vient à l'extérieur. Auvray qui va triompher. Pino fait à la photographie ensuite. La Cressonnière, le numéro 4 qui repart devant tout le monde pour s'imposer une nouvelle fois. La Cressonnière qui remporte ce prix Isonomie qui demeure invaincu. 3 courses, 3 victoires, deuxième place disputée entre le 6, Notebianca, et le numéro 5, Secret Existence.